Yo les gens, salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 21 où je vais vous présenter mon équipe Ultimate Team à plus de 2 millions de crédits. Donc 2 millions de crédits, c'est sa valeur. J'ai eu pas mal de joueurs en premier détenteur. Donc je vais vous montrer déjà mon 11 et ensuite je vous montre vite fait mon banc. Donc on va commencer avec le gardien, vous l'avez vu, Van der Sar. Prend premier détenteur, donc j'ai fait son SBC qui m'a coûté entre 300 000 et 350 000 crédits. Sa valeur sur le marché des transferts est autour de 350 000 crédits. Voilà. Ensuite, le défenseur droit, là j'ai fait une bonne affaire, donc c'est James Tavernier. J'ai acheté à 19 250 aux enchères, alors que sa valeur est de 21 000. Ensuite, l'autre légende de l'équipe, c'est Nemanja Vidic. Défenseur central, j'ai fait son SBC, donc je l'ai eu gratuitement, alors que sur le marché des transferts, il vaut quasiment 300 000 crédits. Ensuite, le deuxième défenseur, c'est Clément Langlais. Voilà, donc je l'ai acheté à l'époque 54 500, là il vaut dans les 20 000. Donc c'était au tout début du jeu que je l'avais acheté, c'est pour ça que son prix est assez élevé. Ensuite, Ferland Mendy à 33 000 crédits, donc là aussi j'ai fait plutôt une bonne affaire. Son prix est de 34 000, là je l'avais acheté aux enchères à 33 000. Ensuite, on va commencer avec le milieu gauche, donc Neymar que j'ai eu en premier détenteur, donc que j'ai packé. Neymar qui vaut dans les 900 000 crédits. Ensuite, au milieu central, j'ai Kenny Lala, j'ai fait son SBC à 140 000 crédits. À côté, j'ai Paul Pogba pour 199 000 crédits. Donc, je sais pas combien il vaut là actuellement, mais c'était déjà il y a quelques semaines que je l'avais acheté. Ensuite, à droite, j'ai Jadon Sancho que j'ai acheté pour 270 000 aux enchères, alors que son prix est de 280 000. Ensuite, mon attaque, Martial, j'avais acheté à 25 000 crédits. Et à côté, Ben Yedder que j'avais acheté à 34 000 crédits, qui est, je pense, beaucoup moins cher maintenant. Après, au niveau du banc, c'est surtout des joueurs de premier détenteur comme Schmeichel à 80K comme gardien remplaçant, Alexander Arnold, Godin, Coman, Beckham que tout le monde a reçu, Iličić, Morata en Fichamp. Ça, c'est la récompense du palier, je sais pas combien de la saison. En plus, on aura bientôt une nouvelle saison donc. Je suis impatient de voir les nouveaux joueurs qui vont nous proposer. Donc Aguilar que j'avais aussi eu en premier détenteur. Bamba. Et bon j'avais mis Ribéry. Voilà. Et Zinedine Zidane en tant qu'entraîneur de Liga. Voilà mon équipe les gars. Donc une équipe notée à 186. Voilà, donc dites-moi en commentaire ce que je peux améliorer. Donc je pense améliorer plutôt l'attaque. Donc acheter pourquoi pas Ben Yedder, la carte à 86, et pourquoi pas acheter une légende à la place de Martial. Et ensuite mettre un autre défenseur central, donc un petit Varane, un petit Van Dijk, ou soit une autre légende. Voilà, on va voir. Donc n'hésitez pas à me dire ce que je dois améliorer dans l'équipe. Voilà les gars, donc dernière vidéo de l'année, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2021, un bon réveillon. On se retrouve donc demain pour une prochaine vidéo. Après demain plutôt, donc en 2021, pour une prochaine vidéo. C'était The Daryl. Allez, ciao!